Bonjour, Jim Pla, pilote de la numéro 87 de la Mercedes AMG GT4 et je suis le coéquipier de Jean-Luc Boblic. Bonjour, Jean-Luc Boblic, débutant en sport auto, pilote amateur et coéquipier de Jim Pla sur la AMG GT4 du team AKSP. Oui, je pense que déjà, il faut avoir une bonne relation en dehors de la piste avant de performer sur la piste. On arrive à bien travailler ensemble. Voilà, comme j'ai dit, c'est un travail d'équipe. Tout le monde participe au bon développement de la saison. Alors, on a l'habitude forcément de se descendre au maximum pour ensuite rattacher plus facilement. Moi, vu que je suis un gabarit un peu plus petit que Jean-Luc, j'ai besoin d'un insert pour compenser en fait la distance. Et il y a un petit réglage volant à faire entre nous. Mais sinon, ça perd un peu plus de temps que l'autre équipage, mais on est assez rodé à ça, à l'exercice, et ça se passe très bien. La seule chose qui doit être faite par les deux pilotes, c'est vraiment positionner les sangles pour que le pilote qui est à l'intérieur puisse s'attacher facilement. Et la deuxième étape, c'est de vraiment serrer, d'attacher et de mettre le filet de protection que le pilote qui est au volant ne peut pas faire. Mais sinon, tout l'autre partie, on finit le serrage, toutes ces choses-là, on les fait nous-mêmes quand on est dedans. Puis il y a un phénomène de sensation. Je veux dire, le fait de se serrer soi-même, on est plus en adéquation avec ce qu'on a envie de ressentir à ce moment-là. Quand moi je pars en premier, je suis déjà 40 kg plus lourd que Jim. Et en plus, j'ai 120 litres d'essence. Donc ça veut dire que je suis obligé d'être assez précautionneux vis-à-vis des pneus pour pouvoir les lui rendre que la voiture reste performante. Pour moi, c'est toujours un peu la même logique. Je m'autorise d'attaquer vraiment la première partie de course pour essayer de, selon ma position, créer le plus de gaps possible avec mes concurrents ou de rendre la voiture dans la meilleure position possible à mon coéquipier. J'essaye en général les 5-6 dernières minutes de reprendre un rythme un peu plus bas pour que les pneus gardent une certaine target et que ce soit beaucoup plus facile pour Jean-Luc quand il prend le volant.